Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de swimrunner et plus particulièrement ma préparation pour le défi Agrippa. Le défi Agrippa, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ça en fait, ça consiste en une traversée de la France du nord au sud en courant, 30 jours de course, 60 km par jour et puis pour rajouter un petit peu de difficulté, je vais rajouter aussi un peu de la nage tous les jours. L'objectif de ce défi, en dehors de l'aspect sportif, c'est aussi de soutenir deux causes. La première, c'est Imagine for Margot qui lève des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants, et la deuxième, c'est une association qui lutte pour l'environnement. Voilà, pour soutenir le projet, rien de plus simple, patreon.com/hermano. Et puis, si vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager et en parler au plus grand nombre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous emmène avec moi en parcourir. Ciao! Salut les sportifs, lundi matin, nouvelle journée, nouvelle semaine, nouveaux entraînements. Oui! Bon, je suis parti pas vraiment comme je l'avais prévu, planifié, puisque aujourd'hui au programme c'est 10 km sans intensité, au feeling, sans montre ni rien, donc je joue le jeu, la montre est dans la poche, et cet après-midi 30 km, presque 6 minutes au kilo. Donc l'objectif, ça aurait été de partir courir à 8h, une fois que tout le monde quitte la maison et que le petit déj est absorbé. Bon, petit souci d'ordre personnel, pour rentrer dans le détail du truc, et bien hier j'ai fait ma boulette, j'ai une voiture essence et j'ai une voiture diesel, j'ai pris la voiture diesel, j'ai voulu la bichonner, la nettoyer, faire le plein et tout, et dans la voiture diesel j'ai mis de l'essence, du coup la journée d'hier était foutue en l'air et ce matin il fallait aller au garage. Bref, voilà, je vous raconte toutes mes histoires, mais tout ça pour dire que je suis parti plus tard que prévu, donc en termes de récup ça va être un peu plus compliqué. D'un autre côté, ça va permettre de travailler sur la fatigue, donc on y va, on va se faire un petit tour en forêt, un petit 10 km tout tranquille. Voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi, le ciel est bleu, le soleil est là, ça me donne la banane. C'est parti. Allez, la première session du jour est terminée, 10 km 100 s'il vous plaît, 5,45 de moyenne alors que c'était sans intensité, 58 minutes, un petit peu de dénive parce que j'étais dans la forêt de Zoufjön, mais rien à voir avec les dénivelés de fou que subissent nos amis les trailers et ultra trailers, et c'est tout à leur honneur. Donc voilà, ça c'est fait, maintenant on rentre se reposer un petit peu, bien manger, et cet après-midi on remet ça, mais sur 30 bornes cette fois-ci. Et à peu près la même allure, enfin 5,55, 6 minutes au kilo, normalement. Voilà. Allez, je vous embrasse, et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième session. Bisous les sportifs. Allez, lundi après-midi, on est parti pour la deuxième session du jour. Et pas n'importe laquelle, vous le voyez, j'ai chargé le gilet d'hydratation dans la poche de derrière, j'ai les oléagineux, je suis parti pour 30 bornes et tant qu'à faire, je vous en parlais ce matin, j'ai eu des news depuis, je vais allier l'utile à l'agréable, à savoir le garage à appeler, finalement la voiture c'est pas si grave, bon un beau billet à laisser quand même, mais ça va être réglé. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai pris Google Maps et je vais aller jusqu'au garage en courant. Il y a a priori 18 bornes, j'ai 30 bornes à faire, et je vais rajouter une boucle une fois sur place. Voilà, allez, on est parti. Ah oui, il y a un truc que j'oublie à chaque fois de dire, c'est un petit peu ce que j'ai dans les oreilles. Donc là, je suis parti avec les amis de Super Natif, puisque c'est un podcast que j'affectionne tout particulièrement. Et Super Natif, ils vous font le suivi des l'actu social média. Et le lundi, c'est youpi, c'est lundi, c'est les épisodes spéciaux sur la veille social media. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur toutes les plateformes sociales Super Natif. Et ils font le podcast Le Super Daily. Voilà, allez, je vous emmène avec moi. Ça va être de la route cet après-midi. De la route. Avec mes nouvelles Five Fingers, on va les étraîner aussi. Allez, c'est parti!
Bon voilà, ça y est, la sortie du jour est terminée. Alors je dirais pas que j'en ai chié parce que c'était un super moment, mais sur la fin j'avais mal au bide en fait. Je suis parti un peu trop proche de la fin du repas de ce midi et c'est vrai que j'ai eu mal au bide pendant toute la sortie et plus j'allais vers la fin et pire c'était. Donc là je suis quand même arrivé au garage, je récupère la voiture qui a été réparée, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça m'a coûté un petit billet quand même, mais c'est moins pire que ce que j'imaginais. Maintenant eh bien je vais récupérer le petit bonhomme à la crèche, direction la maison, une bonne douche et un bon repas et un bon gros dodo. Voilà, je vous fais des gros bisous les sportifs. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Demain sera plus court, c'est 2x10. Allez, ciao. Bon ben voilà, je suis dans mon hall d'entrée et je viens de rentrer à la maison après avoir été récupérer le petit et d'enlever mes nouvelles Five Fingers. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un petit souci. En fait, il y a une lanière sur les Five Fingers qui sont là, justement, pour bien attraper le pied. Et je crois que je me suis fait mal. Et voilà, la vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en haut si elle vous a plu ou vers le bas si ça ne vous a pas plu, mais de laisser aussi un petit commentaire là en bas. Ça se passe en bas de la vidéo. Je vous mets un lien ici, ici, ici ou là, enfin quelque part autour pour vous abonner à la playlist et pour vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos. Et puis surtout, si vous voulez me soutenir et soutenir le projet Agrippa et Imagine for Margot, qui est une association qui lutte pour la recherche contre le cancer des enfants, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/hermano, comme mon prénom, E-R-M-A-2-N-O. Je vous y attends, vous pouvez soutenir le projet à partir de 1 euro par mois. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très, 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 très bonne fin de journée, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain entraînement. Salut sportifs.